Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de la sécheresse oculaire. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de la sécheresse buccale. Donc ce n'est pas la même chose, mais en fait, ça revient à peu près au même au niveau de déséquilibre neurovégétatif. Vous savez que le système parasympathique provoque les sécrétions et le système sympathique provoque une vasoconstriction, une diminution des sécrétions au niveau des yeux et de la mâchoire et des glandes à mucus en général. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai vu une patiente qui venait me consulter pour des acouphènes et des douleurs cervicales. Et donc, suite à un vieil accident qu'elle avait eu donc, sur les radios, il y avait, vous voyez, donc des problèmes cervicales. Au niveau de l'acouphène, elle a vu tous les spécialistes et personne ne lui a proposé de solution. Donc, elle vient me voir pour les acouphènes. Et en fait, dans l'interrogatoire, vous savez que cet interrogatoire est vraiment complet, eh bien, elle me signale une sécheresse oculaire, mais véritablement handicapante. Et ce qui est à remarquer, c'est que cette sécheresse est apparue quelques semaines après une infection nosocomiale à staphylocoque doré suite à la pose d'une prothèse de hanche. Donc elle a eu un traitement antibiotique pendant 3 mois. Et suite à ça, la sécheresse oculaire s'est installée pour ne plus jamais disparaître. Donc vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'avoir la bouche sèche ou les yeux secs. Mais la personne qui vit ça, c'est très difficile. Elle a l'impression d'avoir du sable dans les yeux, obligée de se mettre régulièrement des gouttes pour éviter l'inflammation et les douleurs au niveau oculaire. Bref, il est légitime d'essayer de trouver des solutions. Mais en l'occurrence, cette personne pensait avoir ce problème à vie, puisqu'on lui a dit, bah, écoutez, il n'y a rien à faire. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a rien à faire. Alors, étant ostéopathe et spécialisé dans les problèmes réputés insolubles, mais en fait qui ne sont que des problèmes fonctionnels dus à des déséquilibres qui n'ont pas été ni dépistés ni réglés, je lui dis, écoutez, j'ai eu des cas de sécheresse oculaire qui ont pu être résolus grâce à l'utilisation de la sympathicothérapie endonasale. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Et je lui dis, ça peut agir aussi sur vos acouphènes, parce que si ça se trouve, vos acouphènes sont dus au fait que la trompe de Sage est bouchée, que ça fait caisse de résonance, et que vous entendez des bruits normaux, dans les conditions normales de santé, on ne les entend pas, on ne les entend pas, parce que le corps n'entend pas, on n'entend pas les battements du cœur, on n'entend pas les poumons qui s'ouvrent et qui se referment. On entend le corps, la santé, c'est le silence du corps. Lorsqu'on entend des choses, c'est qu'il y a des pathologies, c'est-à-dire il y a des choses qui sont perçues, qui ne devraient pas l'être. Donc j'ai dit, écoutez, de toute manière, on peut agir au niveau de la sécheresse oculaire et de la trompe de Sage en même temps, parce que moi je vais vous soigner en tant qu'ostéopathe, posturologue, les problèmes, donc on a fait bien sûr le bilan complet, la posturologie, donc elle avait beaucoup de problèmes, et notamment une perte de la courbure cervicale, dont je vous en parle, et j'en reparle encore, parce que c'est vraiment un problème majeur, qui s'il n'est pas traité par un programme spécifique, va s'aggraver dans le temps. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dit, écoutez, on va essayer la sympathicothérapie endonasale. Et donc, j'ai utilisé de l'huile essentielle uniquement de menthe poivrée pour avoir une action. Hein, vous savez que la menthe poivrée, elle est lacrymogène. Hein, c'est une huile essentielle lacrymogène. Si vous voulez faire semblant d'être triste, vous mettez de l'huile essentielle de menthe sous les yeux, vous allez pleurer. Hein, c'est ce que font les acteurs au cinéma lorsqu'on leur demande de pleurer sur commande, donc c'est pas possible. Donc on utilise cet artifice. Donc elle n'avait pas pleuré depuis 2 ans, depuis son traitement antibiotique. Et donc, eh bien, j'ai utilisé 2 écouvillons que j'ai trempés dans mon petit mélange avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, mais très, 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 très fortement dilué, donc seulement à 2-3% de l'huile végétale. Et je suis allé travailler non pas à l'horizontale, mais à 45 degrés, à 45 degrés, dans la zone qui correspond
au parasympathique. Et qu'est-ce que j'ai vu? Voilà le film. Voilà ce que j'ai vu, parce que je me suis dit, écoutez, on va regarder, si vous permettez, je vais filmer pour voir, parce que c'est des choses qui, si on le raconte, on ne le croit pas, si on le voit, on le croit. Donc au bout de, allez, on va dire 30 secondes, j'ai vu une larme perler au niveau du coin de l'œil. Et donc j'ai dit, maintenant, je vais laisser les travailler sur place, je vais laisser travailler les huiles essentielles. Et lorsqu'elle est repartie, elle qui avait le regard terne en entrant dans mon cabinet, est repartie avec l'œil brillant. L'œil brillant, ça veut dire un œil bien humidifié, un œil en meilleure santé. Donc on les met à 45 degrés, voilà. Ça chatouille bien, hein. L'eau ça peut se mettre doucée. Et on laisse. Et là, je sens les larmes qui viennent, vous voyez. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup les cotons-tiges pour la prévention des maladies hivernales. Si vous mettez des huiles essentielles et de l'huile, vous allez faire une espèce de piège à microbes, de piège à virus, de piège à bactéries. Donc, vous pouvez vous badigeonner ici, le tour des narines, les poils du nez. Donc, les poils du nez sont très importants, ce sont des pièges. C'est comme la glu, si vous voulez, donc les microbes et les virus vont s'agglutiner et ça va les empêcher de pénétrer en profondeur. Et les huiles essentielles, notamment l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radiata et d'autres, l'huile le niaouli par exemple. Vous allez pouvoir utiliser des huiles essentielles, bien sûr diluées à 2 à 5% dans l'huile végétale pour désinfecter et préparer, faire une prévention au niveau des infections hivernales. Donc vous pouvez faire ça tous les matins, hein, vous badigeonnez ici avec un mélange d'huile essentielle et vous pouvez le faire la journée. Ça va vous faire un piège à microbes. Les microbes vont venir directement sur les poils du nez qui vont être aromatisés et ils vont être détruits sur place. Donc c'est une technique préventive, hein, comme vous savez que je privilégie la prévention. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre cette méthode. Voilà. C'est terminé pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, bien, cliquez sur « J'aime », hein, je vous en remercie par avance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous et surtout, appuyez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Sinon, vous ne saurez pas quand je publie de nouvelles vidéos. Et j'ai plein de vidéos en route, vous voyez, très pratiques comme celle-ci, quelques minutes, et je vous donne une technique que vous pouvez utiliser vous-même. Alors, encore une dernière chose. Mes conseils ne remplacent pas les soins des praticiens. C'est un complément pour que vous preniez mieux votre santé en main. Et l'avenir, c'est ça. Hein, c'est prendre sa santé en main et consulter les praticiens pour les bilans, pour le dépistage et bien sûr pour soigner les maladies graves, évidemment. Voilà, à très bientôt. Portez-vous bien.